Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on va voir un autre vice, le vice du tabac. Enfin, non, le vice de la beuh. Eh, venez, c'est de la bonne, franchement. Allez, Cerbère, allez, sois gentil, mon chien. Oh putain, je le vois rosé avec des pâquerettes en train de chier les arcs-en-ciel. Ça plane. Allez, va chercher. Eh, va chercher. Je t'ai rien lancé. Bon, allez, trêve de déconnade. À mon avis, c'est parce que j'ai regardé Evil Bong, la chiche chatueuse, le bon qui vous envoie en enfer. Et... attends, j'ai pas regardé Evil Bong. C'est quoi ce délire? Ah non, j'ai regardé Scary Movie 2. Boobies! Les gros boobies! Plus gros, plus profond. J'ai vu mon petit copain Shorty, c'est pour ça. Donc pareil, celui-là, trouvé au vide-grenier, je l'ai déjà présenté, 1€. Avec tous les bonus et tout. Donc, pareil, le coffret, c'est donc un coffret carton comme ça, donc avec le petit ballon. Le petit ballon, comment ça, dans Solo Monde, Wilson. Et donc voilà, donc à l'arrière, vous pouvez voir les différents bonus qu'il y a. Donc il y en a beaucoup, il y a vraiment beaucoup de bonus, des making-of, des parodies gagnantes. Ils ont fait des petits films qu'ils avaient choisis pour gagner Scary Movie, je suppose. La vidéo dont tu es le héros, donc des spots PlayStation, les spots TV des deux premiers Scary Movie, des fins alternatives, 20 scènes coupées, enfin il y a vraiment beaucoup de gens sur ceux-là, c'est super génial. Donc toujours à se taper les barres, donc avec Scary Movie 2. Donc voilà, ça suit le 1. Le 1, je l'ai pas et j'ai pas le 5. Voilà, j'ai pas les extrêmes à chaque fois. Comme les vendredis 13, j'ai pas le 1 et j'ai pas le Jason X. C'est la merde. Et donc, vous tapez des barres donc, avec les mêmes acteurs, dont notamment Shorty, là, que je surkiffe. Voilà, qu'on voit en train de se faire bouffer la tête avec du popcorn. Et donc, voilà. Donc ça, si vous commencez avec un petit classique d'Exorciste et puis vous revisitez toute l'horreur du cinéma. Donc avec, quand je vous dis Exorciste, vous recroisez des fantômes, vous croisez des scènes tirées de beaucoup de films. Alors, je pourrais pas vous les dire parce que je les ai pas en tête, mais Seul au monde, tiens, par exemple. Et pas mal, notamment la scène où il se fait fumer par une plante. Ça doit être mon côté hippie, justement. Et franchement, c'est un film super, je vous conseille à tous. C'est Scary Movie, c'est génial. Et en parlant de Scary Movie, j'ai Scary Movie 3, qui a une petite particularité. Là, vous voyez toutes les personnes comme ça, notamment Leslie Nielsen, dont je fais filmographie, en humain. Et voilà, vous les voyez en alien. Et oui, c'est là, avec la petite... comme ça, la petite... stinguette, là, ça fait boue. Et en fait, vous changez entre alien et humain. Donc vu que je tiens avec le portable, c'est pas facile de vous montrer, mais... Ça change, en fait. Et également d'autres petits détails qui changent. Par exemple, sur le t-shirt rouge, là, vous voyez que c'est marqué, attendez que je le dise, « Nous venons de là-haut », alors que c'était marqué, mon souvenir, « Nous sommes plus bas ». Là, il y a un truc avec un alien que tient le bonhomme, alors que normalement, c'est un paquet de pop-corn. Et pareil, la cassette est marquée trop tard, alors qu'avant, c'était « Ça vous tuez sous 7 jours ». Donc, j'aime bien ce petit détail, je trouve ça super sympa. Donc, après, le boîtier est sympa aussi. Et vous avez le coffret carton comme ça que je vous ai présenté. Donc à l'arrière, pareil que le 2, vous avez plein de bonus. Là vous voyez Charlie Sheen à droite, un très bon acteur de comédie qui a notamment fait les Hot Shots que j'ai. Et aussi mon oncle Charlie, la série. Et donc de les DVD, vous avez les scènes coupées, les making-of, les fins alternatives, mais c'est sous trois formes. Donc là c'est plutôt inspiré du film The Ring, qui prend le gros de la série, par exemple, dans celui-là. Mais vous avez, ça fait les clins d'œil également à d'autres séries, celui-ci, comme un peu les séries Alien, vous voyez Michael Jackson, un copain que j'ai vu en enfer récemment, il va prendre Moonwalk, j'ai pas encore bien chopé le coup. Et donc, vous en voyez un peu partout. C'est fort sympathique. Et donc, vous avez le boîtier, là, avec une grosse tête d'alien barrée, donc vous voyez une fille, un alien qui croit pour une fille, une blonde, forcément. Ah, les préjugés. Je ne comprends pas leur point de vue. Et à l'arrière, vous pouvez voir un jeu de morpion qui, à mon avis, n'a pas été gagné vu que les aliens se font écraser. Donc, avec notamment Leslie Nielsen ici, et puis les différents acteurs du film. Un film que je vous conseille également, Scary Movie 3. Et évidemment, Scary Movie 4.
Donc lui, c'est plus basé sur The Grouch, même si on voit Shaquille O'Neal, King Kong. Lui, c'était un docteur Saw aussi. Il y a Saw aussi qui est bien présent. Et donc le fantôme de The Grouch. Donc toujours avec la même actrice, dont je ne l'ai plus en tête. C'est la plus connue et forcément je ne l'ai plus en tête. Elle et puis la noire aussi, parce que la noire est assez relativement connue. Et donc là, c'est pareil. Donc ça commence comme The Grouch. Donc comme l'histoire originale, avec des petits clins d'œil un peu partout. Avec notamment une fille qui a la tête et la langue, on dirait celle dans l'Exorciste, le premier. Et ça continue avec une invasion d'aliens. On arrive dans un village où les gens sont complètement tarés. Enfin, ça se suit, c'est logique, mais bon, ça reprend tellement de choses que ça serait difficile de tout vous dire. Et pareil, je vous le conseille, celui-là. Franchement, fort sympathique. Et pour continuer de la débilité, oui. J'adore la débilité. J'ai trouvé aussi Sky Scream Movie. Alors, je vous explique un truc. Scary Movie, c'est une parodie de plein de films. Donc, c'est on pioche en plein de films. Scary Scream Movie, c'est une parodie de Scary Movie. Donc, c'est une parodie de films. Là, si j'en ai perdu, c'est normal. Et donc, pareil, fort sympathique. Donc, c'est une parodie du premier qui était basée surtout sur Scream dans l'histoire. Et super sympa avec des gags franchement hilarants. Comme par exemple, il a commencé avec un masque de hockey un peu à la Jason, le criminel. En voulant s'allumer une clope, il se fout le feu au masque. Et finalement, bah, le masque va fondre et va nous faire le masque de Scream. Enfin, c'est que des petits clins d'œil comme ça. Donc, super sympa, donc à plusieurs films. Par exemple, pour un gamin à l'école qui ressemble à Chucky. Plein de clins d'œil comme ça, et c'est super. Avec en supplément les meilleurs slashers, donc les bandes annonces des plus grands films. Donc Chucky, Halloween, Vendredi 13. Un court métrage qui est assez sympa et le zapping des références du film qui est très rapide. Moi je trouvais pas ça utile, mais bon, c'est toujours un petit plus. Enfin voilà, Sky Scream Movie aussi, je vous conseille pour ceux qui aiment l'horreur et qui aiment la comédie mélangée. Super. Ensuite, on arrive dans l'horreur à petit budget à 1 € pour Nose, Mutant Assassin. Donc, un film qui est pas très répandu, on comprend pourquoi c'est pas un des meilleurs. Donc, pour vous expliquer tout simplement ce que c'est. C'est l'histoire d'un scientifique qui va vendre un produit des millions qui est censé régénérer le corps à un gars de la pègre, on suppose, qui malheureusement est un grand brûlé, est en siège roulant et n'est plus très apte à faire grand chose. Les estropies, on se marre trop avec eux en enfer. Des concours de chaises roulantes dans une rue parsemée de pics. Et dès qu'ils font mon virage, plac, les têtes qui clètent. J'adore, j'ai encore des photos de l'an dernier. Oui, bon, bref. Et donc, c'est un scientifique qui veut gagner des millions, mais qui malheureusement se fait entuber par la pègre et se fait injecter son produit. Malheureusement, ce produit va avec un sérum qui est censé retirer l'appétit que donne le premier produit. Cependant, ça ne donne pas qu'un sévère appétit. Ça transforme également en monstre ressemblant, eux ils disent à un rat géant, moi je dirais plutôt une espèce de chien un peu déformé. De grand loup. Sans poils. Et donc, les personnes de la PEG vont essayer de régler le problème en le tuant. Et il y a également des personnes qui s'occupent vous savez, les gens à tout faire, qui vont dératisser les feuilles, qui vont aller changer, pas la plomberie, mais qui vont s'occuper pour la mairie de toutes les petites tâches à faire. Et bien, il y a un groupe de ces personnes qui va justement aller dans les souterrains pour aller choper normalement des ressources dans le souterrain abandonné, et qui vont tomber sur cette créature. Les deux vont devoir s'allier pour éradiquer la créature, et ça va pas être une mince affaire, croyez-moi. Ça c'est sûr, va y en avoir du mort. Jouissif. Ensuite, dans les nanars à 1 €, entre guillemets, on a également l'ordre du loup. Donc, quand vous voyez que ça c'est un loup-garou, vous vous dites déjà, ça commence mal. Eh bien, pas du tout, parce que c'est quand même une des choses qui est les mieux faites. Ce loup-garou est vraiment actif, et les effets spéciaux, quoique laborieux vu le budget, sont malgré tout pas si mal réalisés que ça, et ça, ça se regardait. Le problème, c'est qu'ils misent tout sur une intrigue pour savoir qui est le loup-garou, alors que ça saute aux yeux de tout le monde. On voit bien qui c'est le loup-garou, il n'y a pas d'autres possibilités. Du coup, ça gâche un peu le film, mais hormis ça, ça reste sympathique à regarder. Mais bon, c'est vrai qu'on est un peu déçu. Du coup, l'histoire devient un peu contraignante. Cependant, il y a des rebondissements et des choses auxquelles on ne s'attendait pas, et encore heureux. Même s'ils sont malheureusement très peu nombreux. Mais bon, à part ça, c'est cool.
Un film qui n'est pas nécessaire à voir comme Mutant Assassin juste avant, mais qui peut vous faire passer un peu de bon temps, à condition que vous passez au-delà des effets spéciaux qui sont pas très nombreux et puis pas très bien finis. Et pour finir, j'en ai deux de la Full Moon, donc là où Charles Band travaille, ou là où mon copain travaille. Et donc, on commence avec Horrifique. Donc, ce sont trois petites histoires d'une demi-heure à peu près, donc sur des sujets différents ou ressemblants. Là, je trouvais que c'était assez différent, par exemple. Mais c'était assez... Moi, j'aime bien. Il y en a beaucoup qui n'aimeront pas parce que ce sont des effets spéciaux très grossiers. On a l'impression que les gamins pourraient faire mieux. Et c'est le cas. Mais je trouvais ça sympa. Et puis, la couverture est assez jolie. Donc, trois histoires. La première, c'est la crypte des morts vivants. Donc, durant une séance de Ouija, donc qui se passe avec des jeunes, des gens qui ont la 30-40 ans, plutôt la trentaine, ils vont vouloir réveiller une ancienne légende comme quoi des sorcières auraient été tuées, leur âme aurait été enfermée et trois bourreaux veillaient sur elles. Malheureusement, ils vont vraiment réveiller les bourreaux qui vont faire un carnage et tuer pratiquement tout le monde, hormis un qui va réussir à trouver la bonne clé sur le cou du bourreau, à ouvrir la porte et à sauver lui parce que tout le monde aura crevé. Pas de peau, il a pas d'autre gens à sauver. Donc c'est une histoire assez intéressante, et puis bon, pour une histoire d'une demi-heure, ça cesse de regarder. La deuxième, c'est Vision d'horreur. Donc là, c'est un cobaye qui va se faire injecter des gouttes par un scientifique qui veut essayer de faire percevoir aux gens la septième dimension. Chose totalement réalisable. Pas vraiment, j'ai déjà du mal à voir la deuxième, moi. Et donc, malheureusement, il va créer une créature. Via son œil va ressortir sous la forme d'un œil géant, qui peut contrôler les gens et d'un simple lancer oculaire les éradiquer, les envoyer dans la 7ème dimension, on suppose. Et donc, ils vont devoir réussir à détruire cette créature hermaphrodite qui, pourtant, est vachement intéressée par la jante féminine. Et c'est pas peu dire. Bon. Et la 3ème, les maîtres de la mort, qui est pour moi la meilleure, je pense. C'est un homme dont... qui... un rappeur, si vous voulez. C'est un rappeur noir. Préjugé. Et donc, qui malheureusement va tenir tête à quelqu'un qui voulait l'engager, mais qui est un mec de la PEC dont il n'adhère pas à la façon de penser, et ce gars-là va se venger en faisant du mal à sa grand-mère. Pour se venger, il va faire appel à l'homme de l'ombre. Oui, l'homme de l'ombre, c'est son nom. Moi non plus, j'y croyais pas. Qui va lui donner le pouvoir de se venger en donnant vie à quelque chose d'inanimé. Et il va donner vie à une poupée en chiffon qui va devenir une poupée tueuse. Malheureusement, il va regretter son choix parce que à chaque fois qu'un bandit qui lui a fait du mal est tué, un de ses proches en pâtit également. Ça va se finir avec une trame que je ne vais pas vous dire la fin pour vous obliger à l'acheter, on va dire. C'est pas nécessaire du tout, ce DVD-là. Mais avec une fin vraiment originale auquel on ne s'attendait pas. Et cette fin-là, franchement, vaut le détour. Et le deuxième, dans le même principe que j'ai regardé à l'instant avant de faire la vidéo, c'est Tomb of Terror. Donc c'est pareil, c'est trois petites histoires. Il y en a un dernier qui existe, je crois que c'est Possessed, si je me dis pas de bêtises, et qui a pas l'air mal non plus d'ailleurs. Enfin, parce que moi j'aime les films à petit budget, j'aime bien Nana. Donc le premier c'est L'Ange Exterminateur, donc qui était vachement bien fait, même si on avait cru que ça avait été tourné des années 80-90 vu les moyens. C'est donc une jeune femme. Donc à savoir, avant tout, je précise que celui-là, il a été réalisé par David Decoteau, qui est assez connu pour les films à petit budget, notamment les Sorcières des Caraïbes ou Bizutage Mortel. Oui, déjà, quand vous voyez les noms, c'est pas du gros budget. Enfin, voilà. Et donc, le premier, c'est L'Ange Exterminateur. C'est une diablesse, ou une démone, qui va passer dans notre monde, et qui, pour elle, dès qu'il y a un crime, tuer ceux qui ont commis le crime, c'est normal. C'est la justice. C'est pas comme ça qu'on perçoit la chose. Donc, elle va tomber amoureuse d'un gars, elle va s'occuper d'exterminer les gens, et en fait, c'est un motif religieux, et elle va comprendre qu'elle doit se repentir. C'est pas mal comme histoire, c'est pas la meilleure, mais je la trouve pas mal. Après, Démon Cannibale, je l'ai trouvé vachement sympa. Une créature d'origine cannibale vit sous un cimetière et chasse des humains. C'est un peu plus complexe que ça. Ce sont des humains qui vont dans une église pour faire péter les tombes parce qu'ils savent qu'il y a des démons cannibales, des espèces de zombies dessous. Malheureusement, il y a un autre humain qui arrive, qui va essayer de les détruire, mais qui va foutre sa mère plus qu'autre chose. Et donc, au final, ils vont quand même réussir à défaire les démons cannibales, mais vont perdre plus d'une personne au passage. Sympathique à regarder, sûr. Et dernier, L'Ange Noir de l'Apocalypse. Oui, rien que ça. Donc, ça va se passer dans une école où tu vois un élève qui arrive, tu sais pas pourquoi il est là. Et déjà, on lui apprend que c'est la pire école du pays. Génial. Sympa pour la nouvelle.
Et donc, il y a un ange noir qui va devoir faire, c'est une espèce de secte, des sacrifices humains pour pouvoir ouvrir les portes de l'enfer. Et donc, à la fin, on va comprendre qu'il y a un lien entre une fille qui est là, mais qui n'a pas été élevée vraiment par la directrice qui est censée être sa mère, mais qui ne l'est pas. Oui, c'est compliqué à comprendre. Et donc, en fait, qu'ils ont un lien de parenté avec lui, alors qu'elle, c'est un démon et lui, non. Enfin, c'est très difficile à expliquer. Tout ça pour vous dire, c'est l'histoire de l'ange noir qui essaye de faire sept sacrifices pour ouvrir les portes de l'enfer dans une école de gens très riches. Voilà, en gros, c'est ça la suite. Et voilà, j'en ai terminé. J'en ai terminé avec ces conneries de hippies. Je suis mal, moi, pas un bouffeur de pâquerettes. Bon, si vous permettez bien, il y en a marre de chier du bong. Moi, je fume le cigare. Satan, t'as un briquet ou un lance-flamme? Ouais, pas faux. Je vais pouvoir le tremper dans le feu enflammé. Ah, nickel. Allez, bonne journée à tous. Et souvenez-vous, faites ce que je dis, pas ce que je fais.